Hello les birdies, c'est Wo pour une nouvelle vidéo récap GDC avant que la mise à jour n'arrive et qu'on perde tous les replays. Alors on va aller dans le journal de guerre et d'abord se pencher sur cette dernière guerre contre les Italian Heroes et une guerre qui s'est jouée à une étoile et au finish Joe et Arnaud, on est allé chercher les dernières étoiles qui nous manquaient. Mais il y a pas mal de joueurs qui ont fait des bonnes GDC. Avec notamment une belle attaque de Kiki en dragon, je pense sur le voilà, sur le 4 et sur le 3. On va voir l'attaque sur le 3. Ici, voilà. Tam, c'est parti. Donc on voit directement que le gars est quand même pas mal maxé au niveau Arc-X, au niveau TDE, au niveau tour d'archer. Mais il a complètement oublié de faire ses défenses anti-aériennes. Du coup, voilà, punition, le full dragon. Directement, il envoie le CDC de ballon pour gérer la A la plus forte en défense sur son chemin de l'HDV. Voilà, en même temps, il prend le CDC à l'opposé du HDV. Pose bien tous ses rages pour vraiment faire la différence là au centre. Hop, le CDC est géré vraiment très rapidement avec la masse de dragon qu'il a là au centre. Le freeze sur l'Arc-X et la TDE. Voilà. Et alors là, il lui aurait fallu encore un petit rage. Hein. Il aurait fallu encore un petit rage sur le HDV. Mais finalement, ça se passe plutôt bien. Les dragons en 4 là, super forts. Les tours dans l'enfer ne font pas vraiment de dommages aux dragons. Ce sont surtout les TDA et les Arc-X qui vont faire des dommages. Je pense que on parle quasiment 100 dégâts secondes là pour les tours d'archer et seulement 20 dégâts secondes par dragon des tours de l'enfer. Donc il y a quand même une grosse différence par dragon. Après, évidemment, comme c'est multiplié par 5 faisceaux, c'est plus ou moins le même DPS. Mais voilà, tant que les dragons restent en vie à 5, ils font plus de dégâts. Vous avez compris. Voilà, 2 étoiles. Il n'a même pas eu besoin des 0. GG, Kiki. Voilà, là, je pense qu'il les a même posés pour aller au panin chercher le reste des étoiles. Et ensuite, voilà, je pense qu'il y a pas eu, il y a eu pas mal de belles tentatives. Voilà, des go wipes nécessaires pour aller chercher les 2 étoiles, notamment ici. Voilà, celui-là aussi qui est passé pas loin. Une tentative de prise à revers avec des ballons derrière, avec des A qui étaient fort centrés. Et finalement, ça a été dur de pénétrer dans le centre. Voilà, donc on va se pencher sur ces 2 belles attaques ici, en Goro. Hein, ce Goro qui nous permet vraiment d'aller chercher maintenant plus de victoires qu'avant, justement pour quand c'est dur d'aller chercher des victoires 3 étoiles sur HDV9. Donc ça commence par évidemment sortir le CDC. On sait que les doubles bombes sont absentes de ce camp. Il y en a sur les entrées qui ont été laissées dans la base, dans chaque coin. Donc voilà, 4 bombes qu'on peut facilement identifier. C'est évidemment une attaque clean-up. On a déjà vu à plusieurs reprises cette attaque sur ce camp. Voilà, il pose très bien sa reine derrière son CDC, hein, parce que le CDC tout seul, ça ne se gère pas tout seul. Hein. Je pense que ça, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur de croire que le CDC se gère tout seul, mais non, il faut absolument des troupes en plus, soit des sorciers pour flanquer le pack, soit la reine. Et en général, la reine, c'est vraiment nécessaire, surtout quand vous avez des Valkyries et des serviteurs notamment, ou des ballons dans le CDC adverse. Voilà, donc là, le roi est sorti au bon moment, il a encore été pas touché et il a pu directement tuer la reine. Voilà, donc le CDC est géré, la reine est gérée, gros tankage des héros sur le centre pendant que les cochons sont déjà lancés, une trentaine de cochons à peu près, donc tout constamment sous soin. Vu que les Tesla sont pas du tout maxés, voilà, ces cochons vont pouvoir vraiment avancer dans la base. Et regardez comme ils couvrent très très bien avec ses soins la zone où il y a la bombe et en même temps dans laquelle ces cochons vont se déplacer. Regardez, puis ici, c'est passé tout juste. Il est passé à côté de la bombe, là, c'est voilà, et finalement, il la chope. Pas grave, hop, son soin est de nouveau bien mis là en haut. Il avait re-soigné tous ses cochons avant que la bombe n'explose. Donc ça, c'est vraiment, vraiment bien joué. C'est comme ça qu'on doit gérer les bombes en cochon d'HDV9, c'est-à-dire qu'on doit poser le soin pour healer le cochon au maximum avant que la bombe ne saute. Donc il faut anticiper le plus possible. Voilà, donc après là c'est du nettoyage, il lui reste son roi, il lui reste beaucoup de cochons, vraiment beaucoup beaucoup de cochons, et il reste encore une sorcière de son pack. Et vous voyez, il y a une bombe qui n'a pas sauté ici en bas, au moment où il l'avait pensé. Du coup, il n'a même pas eu besoin de son dernier soin. Donc voilà, très très belle attaque, Joe. Je pense que même un HDV8 aurait pu faire ça sur ce plan, vu le parcours que tu as donné à tes cochons. Voilà, bravo GG.
Et on va revoir une deuxième. Ok. Ici. Voilà. Donc, le CDC facile à sortir. Par contre, la reine est quand même déjà un peu plus protégée derrière deux murs. Donc, l'idée ici, c'est d'abord de gérer le CDC avec un molosse. Donc, on n'en voit pas souvent. Ma préférence, moi, pour gérer les molosses, c'est comme c'est présenté ici, c'est-à-dire full archer. Full archer, ça fait vraiment pas mal de DPS. Le molosse lui-même ne va pas faire de dégâts aux archers. Et quand le molosse aura pété, tous ces archers vont gérer les pups facilement. On va les voir. Hop. Ça va aller assez vite. On n'a même pas besoin de la reine, on n'a pas besoin de sorcière, rien. Donc le molosse, c'est surprenant la première fois, mais une fois qu'on sait le gérer, pas de souci. Hop. Et puis on sait que ça va se gérer tout seul là dans le coin. Donc on envoie le golem face à la reine. Et le golem va nous permettre de dégager les bâtiments extérieurs pour que le roi ne parte pas en vrille. Il parte pas faire le petit tour du manège. Boum, les casse-briques pour ouvrir le chemin vers la reine. Et le roi, il file tout droit. Tout droit sur la reine. Boum, voilà, complètement loqué, attiré. Et alors là, il la descend. Et puis on envoie les cochons en Eisenwall avec trois doigts. Vous voyez la rapidité avec laquelle tous les cochons sont déployés. Et on couvre directement les zones où les bombes sont placées avec des soins. On pré-heal la zone. Boum, ça saute, le cochon est en vie maximum. Et hop, il se re-soigne directement derrière. L'autre avantage de l'envoyer en Eisenwall, c'est que plus de défenses sont ciblées plus rapidement et donc elles vont tomber plus vite. Les cochons auront moins de distance à parcourir dans l'absolu. Et comme le temps est souvent un facteur dans les attaques cochons, on gagne beaucoup de temps pour le nettoyage. Regardez ici, toutes les défenses sont tombées, c'est déjà fait. Et voilà, il y a quand même pas mal de choses à nettoyer sur les côtés. On a besoin de temps, on a besoin de secondes pour nettoyer tout ça. On lance la capacité de la reine pour accélérer. Voilà, boum. C'est géré. Good luck. GG. Et je pense que ça va terminer ce récap. On va peut-être se pencher éventuellement sur une belle attaque qu'on pourrait retrouver sur la GDC précédente qu'on a perdue. On s'est fait complètement dominer par un clan turc, Spegowipe. Ils nous ont fait du go wipe de haut en bas. Et ils nous ont rasé des camps. Vous voyez, bon, le mien ici. Non, ça c'est sur la GDC. Non, c'est bien sur contre. Ouais. Le mien ici, là, sixième dans la hiérarchie. Ah non, c'est moi qui l'ai rasé, ça, pardon. Ouais, voilà, ils m'ont rasé moi, ils ont rasé X-Mac, ils ont rasé Moutou là en haut, voilà, en faisant descendre des HDV10. Et puis alors, ils ont rasé évidemment tous nos HDV8. Peps est HDV9 aussi. Ils ont vraiment rasé à tous les niveaux. On a un tout petit peu galéré en haut, mais pas trop. Et finalement, là où on a galéré, c'est plus dans les attaques contre les bas de. Voilà. Ici, là, on aurait dû faire des 3 étoiles comme eux pour rattraper le retard. Et on n'a pas réussi. Pepsi était tout tout près là sur ce numéro 10. Voilà pour sa première attaque avec nous. On peut se la voir, tiens, on va se la voir, tiens, Peps. Hop. Était vraiment violente. Donc un plan anti-cochon avec un anneau de ressources autour du centre. Hop, il envoie pour sortir le CDC. Pas de chance, une petite bombe, mais je pense qu'il a quand même réussi à tout sortir. Ouais, la sorcière est sortie. Voilà. Donc ensuite, il va le gérer dans le coin dans lequel il a décidé d'attaquer. Voilà, j'accélère un petit peu, faire venir les troupes. Hop, il pose son pack au bon moment. Il a flanqué de quelques sorciers en plus. Il a pas oublié de poser sa reine, hein. Ça c'est plutôt pas mal. Bien joué. Vraiment bien joué. Regardez, hop, ça se gère, mais encore le ballon. Hop, c'est la reine qui s'en charge, vous voyez. Donc c'était important de poser la reine à ce moment-là. Hop, les golems ont déjà été posés. On n'a pas perdu de temps. Le roi va directement gérer la reine. Boum. Je pense que le roi aurait pu être posé un peu plus tard parce que là maintenant il est ciblé par les défenses, mais c'est vraiment du détail. Les casse-briques n'ont pas réussi à percer le mur. Un petit soin. Voilà, ça va peut-être aider le roi à vivre un petit peu plus longtemps. Il a déjà dû activer la capacité. Pas grave. Voilà, et alors là, ce que je voulais dire, c'est que tu peux vraiment poser ton sceau sur le centre des bâtiments et ça couvre directement 2 niveaux de mur et tu aurais pu envoyer tes troupes plus rapidement vers le centre. Enfin, c'est pas mal, c'est GG, regardez-moi ça, les sorcières, les sorciers dans le rage, complètement laminé ce centre pendant que les troupes type P.K. et Golem sont en train de faire le tour. La reine de l'autre côté. Donc ça, quand on est à ce stade-là, on regrette vraiment que les golems n'ont pas pu passer devant pour faire leur boulot au niveau du tankage.
Ça aurait pu, si tu avais posé ton sort de saut directement pour que ouvrir directement les deux compartiments de mur en fait, et pas passer avec des casse-briques. Ben voilà, je pense que c'est un tout petit détail. Le plan était quand même pas mal fait ici, avec des défenses d'HDV 8 et un petit peu d'HDV 9 quand même aussi. Donc voilà, pas facile facile et un très très beau résultat en pourcentage. Voilà, bien joué. Je pense que finalement il te manque du temps, hein. C'est peut-être ça qui t'a manqué. Ah non, un tout petit peu de peps, là, ta reine numéro 5, là c'est un tout petit peu juste, je pense, pour aller chercher les deux dernières défenses qui restent, là. Ah non, c'est juste le temps. Ok, GG peps, très belle attaque, go wipe. Je préfère ça que tes attaques ballon. Et la prochaine vidéo, d'ailleurs, on va se concentrer un peu sur ces attaques ballon. Je vous upload ça tout de suite. A bientôt les birdies, ciao!